أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est tous réunis aujourd'hui et puis يعني ça me fait plaisir en réalité d'être là, puis on a des invités aujourd'hui, parce que nous on fait des cours chaque semaine ici, donc aujourd'hui Abdel Jalil nous a dit on va inviter quelques personnes pour yani ceux qui sont intéressés de connaître certaines choses sur l'islam, donc on va leur faire une petite introduction sur la religion musulmane. Donc c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui Inch'Allah, on va essayer de vous donner une petite présentation sur qu'est-ce que c'est les choses de base de la religion musulmane. Ok, puis à partir de ces informations-là que vous allez avoir, par la suite, ça va être plus facile pour vous de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie d'être musulman, qu'est-ce que ça signifie cette religion-là, et puis de faire un choix par la suite plus éclairé si jamais Dieu vous guide à l'islam. Donc comme ça, vous êtes capable de faire un choix éclairé qui est basé sur une connaissance et une compréhension plus claire. Donc, pour commencer, le mot islam, qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot arabe. L'arabe, c'est une langue sémitique, un peu comme l'hébreu, l'araméen. C'est les mêmes racines de l'origine, c'est la même origine. Okay? Et c'est un mot arabe qui veut dire la soumission. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il est musulman, ça vient du mot arabe muslim, qui veut dire soumis. Hein? Quelqu'un qui a accepté de soumettre son corps et son âme à Dieu, le créateur de l'univers. Et Dieu en islam, en arabe, on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, Allah. Et Allah c'est Dieu, c'est comme tu dis par exemple en espagnol, on dit Dios, hein. En allemand on dit Gott, hein. En anglais on dit God, et puis en arabe on dit Allah. Hein. Donc quand on parle de Allah, on parle de Dieu, le créateur. C'est le même Dieu que celui que tous les prophètes de Dieu ont enseigné de croire en lui. Que ce soit par exemple, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, Salomon, David, Jésus, tous les prophètes que Dieu a envoyés, qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament, hein, sont tous des prophètes qu'on considère comme étant des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis à Dieu. D'accord? Donc pour nous, comme on a expliqué, il y a une religion que Dieu a commandé à l'humanité de suivre. Pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six. Une seule religion. Et on va vous expliquer qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, l'islam, il est basé sur un témoignage. Allah. En français, A-L-L-A-H. Allah. Allah. Okay. Bon, l'islam c'est basé sur un témoignage de la foi. Ce témoignage de foi c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, excepté Dieu, le créateur, le maître de l'univers. Et c'est ça qui fait c'est ce témoignage là qui a été enseigné par tous les prophètes de Dieu. C'est-à-dire, la ilaha illallah, il a été enseigné par tous les prophètes, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui mérite d'être adoré. Okay? Et c'est ça le message fondamental de tous les prophètes. Tous les prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité,
ils ont tous commencé, quand ils ont appelé leur peuple à la fois, ils ont tous commencé par leur expliquer ça, que c'est seul Dieu qui est le créateur et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. D'accord? Et c'est ça qui fait la différence entre l'islam et toutes les fausses religions, toutes les autres religions. Ça dit pourquoi? Parce que toutes les autres personnes qui suivent une religion, qui prétendent croire en Dieu ou qui disent qu'ils croient en Dieu, quand on voit dans la réalité, dans la pratique, dans l'application de leur religion, ils n'adorent pas Dieu seul. Soit qu'ils adorent d'autres avec Dieu, hein, comme par exemple les chrétiens qui adorent Jésus, par exemple, qui prient Jésus. Il y a d'autres parmi les catholiques qui vont prier Marie, qui vont prier les saints, hein, les statues, les croix, les idoles. Les hindous, la même chose, qui prient toutes sortes de statues et d'idoles. Les bouddhistes, la même chose. Hein. Donc, c'est des gens qui prient d'autres que Dieu. Hein. Et ça, c'est considéré dans l'islam comme étant le plus grand péché que quelqu'un peut commettre. Parce que c'est l'idolâtrie. Tu associes, tu donnes à Dieu des partenaires dans l'adoration. Et c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré. Donc, tu as commis le plus grand péché en faisant ça. Mais, non seulement ça, il y en a qui contredisent justement ce principe-là. Non pas parce qu'ils adorent d'autres avec Dieu, mais parce qu'ils prennent des intermédiaires entre eux et Dieu pour l'adorer. C'est-à-dire, ils pensent qu'on ne peut pas passer à Dieu directement si on veut prier Dieu. Il faut passer par quelqu'un, hein, par une chose. Soit une statue, soit une idole, soit un ange, soit un loi, comme les vaudouisants, qui vont prier d'elle. Hein, soit un prophète, soit un saint, hein, soit une étoile, ou le soleil, ou d'autres choses. Et ça, c'est une autre forme d'idolâtrie qui est considérée dans l'islam comme une des plus grandes formes d'idolâtrie. C'est l'excuse par excellence, ou l'argument par excellence, utilisé par les idolâtres pour adorer ce qu'ils adorent en dehors de Dieu. Ils disent, on les adore pas eux, on les prend seulement comme des intermédiaires pour se rapprocher à celui qui est Dieu. Hein. Et donc, d'une façon indirecte, c'est comme ça qu'ils rentrent dans l'idolâtrie sans même s'en apercevoir parfois. Donc, l'islam est venu pour détruire toutes ces formes d'idolâtrie-là. Okay? Comme on a dit, Dieu a envoyé à chaque peuple des prophètes et des messagers pour leur rappeler le but de leur existence. Hein, que le but de leur existence, c'est d'adorer leur créateur, d'adorer Dieu. Mais, étant donné que, bien entendu, bon, le diable essaie toujours de les détourner, de les dévier du droit chemin, il essaie de les faire tomber dans l'adoration de d'autres que Dieu. Il essaie de les faire tomber dans l'adoration des images, des idoles, des statues, des saints, des anges ou d'autres choses que Dieu. Et ça représente un des points qui détruit la foi de quelqu'un en réalité. Parce que pour croire en Dieu, c'est pas juste de dire je reconnais que Dieu existe ou je reconnais qu'il y a un créateur. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas croyant réellement encore. Dans l'islam, selon l'islam, il y a des conditions pour que quelqu'un ait une foi en Dieu et que cette foi en Dieu-là soit acceptée et soit valable. C'est pas juste de dire je reconnais l'existence de Dieu. La plupart des gens qui adorent des idoles ou qui adorent qui prennent des intermédiaires entre eux et Dieu, ils reconnaissent que Dieu existe. Le problème, c'est qu'ils adorent d'autres avec Dieu. Hein? Et donc, il faut, en plus de reconnaître son existence, il faut dire que c'est lui le seul maître. Il n'y a pas d'autre maître dans l'univers que lui. Il ne partage pas son royaume avec personne, ni avec un être humain, ni avec un ange, ni avec un prophète, ni avec quoi que ce soit. Il n'y a pas un atome dans l'univers qui existe, excepté que c'est Dieu qui est son maître, excepté que c'est lui qui décide sa destinée, qu'est-ce qui se passe avec. Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, que ce soit de la pluie, ou bien une feuille dans un arbre, ou bien n'importe quoi qui existe dans la création, même un grain de sable dans le désert, excepté que c'est Dieu qui est son maître. Hein, et il n'y a pas une chose qui existe dans la création, excepté que c'est Dieu seul qui l'a créé. Donc, Dieu ne partage pas son pouvoir avec personne d'autre. Et il n'y a personne qui partage quoi que ce soit avec lui dans la création, dans le fait de donner à la création sa subsistance, le fait de transformer, le fait de contrôler tout ce qui est dans l'univers. C'est Dieu seul qui fait ça. Mais bien entendu, dans certaines croyances, il y a des gens qui mettent ou qui donnent à Dieu des partenaires dans ces choses-là.
soit qu'ils croient que par exemple Dieu a un fils et qu'il contrôle d'autres choses aussi avec Dieu dans l'univers ou des choses comme ça. Ça pour nous c'est considéré comme une forme d'idolâtrie, que même si tu dis je reconnais l'existence de Dieu, le fait de croire que Dieu, d'autres contrôlent le monde avec Dieu, ça c'est considéré comme une forme d'idolâtrie qui fait que ta foi en Dieu est incorrecte. En plus de ça, donc, comme j'ai dit, c'est pas suffisant seulement de reconnaître son existence, et c'est pas suffisant non plus de dire que c'est lui seul qui est le créateur et le seul maître. Il faut, en plus de ça, comme j'avais expliqué, croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Tu dois pas prier d'autre que lui. Tu dois pas craindre d'autre que lui. Tu dois pas aimer d'autre que lui. Tu dois pas, y mettre ta confiance en autre que lui. Tu ne dois pas sacrifier un animal, excepté si tu le fais pour lui seulement. Tu ne dois pas, par exemple, jeûner pour autre que lui. Tout ce que tu fais, tu ne dois pas te prosterner devant autre que lui. Tu ne dois pas t'incliner devant autre que lui. Tu dois le prendre lui comme maître absolu et l'adorer lui seul et uniquement. C'est-à-dire, tu ne dois pas vouer tes adorations ou ton culte à autre que lui. Si tu offres à autre que Dieu une de ces formes d'adoration-là, tu as commis un acte d'idolâtrie, comme le fait de prier, comme j'ai dit tout à l'heure, à Jésus ou bien à Marie, à un loi ou un saint, des choses comme ça. Ça, c'est considéré comme des formes d'idolâtrie par rapport à ce que Dieu a enseigné aux prophètes. Il n'y a aucun prophète que Dieu a envoyé à l'humanité qui a dit aux hommes « priez d'autres avec Dieu » ou « passez par d'autres pour aller à Dieu » ou des choses de ce genre. Et même certains chrétiens, par exemple, qui disent que, soi-disant dans l'Évangile, Jésus aurait dit « Je suis le chemin, je suis la voie, nul ne va au Père que par moi. » Et ça, ils l'ont interprété en voulant dire que pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus pour adorer Jésus, pour aller à Dieu. Ça, c'est une fausse compréhension qu'ils ont de cette parole-là. Pourquoi? Parce que si tu veux aller, Jésus, il parle à son peuple et il dit « Si vous voulez aller à Dieu, vous devez passer par moi. » Dans quel sens? Dans le sens que si vous voulez arriver à Dieu, vous devez m'obéir en tant que prophète, en tant que celui qui vient vous montrer le droit chemin. Et vous devez suivre mon exemple. Et l'exemple de Jésus, c'était quoi? Est-ce que l'exemple de Jésus, c'était de prier à lui-même, ou bien de prier au Créateur? Donc Jésus lui-même, il disait, mon Dieu est votre Dieu. Mon maître est votre maître. Donc Jésus lui-même, il sait très bien que c'est pas lui le créateur de l'univers. Il sait très bien qu'il y a un maître, il y a un créateur au-dessus de lui. Et il nous dit que si tu veux aller à Dieu, tu dois suivre son exemple, dans ce sens-là. Donc, à l'époque de Moïse, quelqu'un ne pouvait pas aller à Dieu sans suivre l'exemple de Moïse. À l'époque d'Abraham, quelqu'un ne pouvait pas aller à Dieu excepté en suivant l'exemple d'Abraham. Et c'est ainsi de suite comme ça. Chaque prophète a son époque. Et donc, on doit suivre l'exemple du prophète. Si tu veux arriver à être bien guidé, tu dois suivre l'exemple qui est amené par le prophète. Tu ne peux pas adorer Dieu comme tu veux, selon ton imagination, selon tes propres passions, selon tes désirs. Il faut suivre le message et l'exemple qui a été amené par le prophète pour l'adorer. Donc ça, c'est un autre point très très important à ce sujet-là. Ensuite, il faut bien comprendre aussi, c'est que une fois que tu as reconnu qu'il y a un seul créateur, une fois que tu as reconnu qu'il existe, qu'il est le seul maître, une fois que tu as reconnu que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, il faut également ensuite de ça reconnaître que la façon dont on doit connaître Dieu et comprendre qui est Dieu, c'est en se basant sur sa révélation. On n'a pas le droit de décrire Dieu selon notre propre imagination, selon nos propres compréhensions, et de donner à Dieu des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. En d'autres mots, on ne doit pas donner à Dieu des caractéristiques ou des qualités humaines, et on ne doit pas donner aux êtres humains des caractéristiques divines. Parce que si tu fais ça, tu mélanges entre le Créateur et la créature. Ça veut dire que pour toi, tu vas commencer à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ou bien, tu vas, donc, par exemple, des exemples de ça, si quelqu'un, par exemple, dit, oui, moi je crois en Jésus, que Jésus, il connaît l'invisible,
ou que Jésus, par exemple, a le pouvoir de pardonner les péchés, ou qu'il a le pouvoir de créer, ou des choses comme ça. Si tu dis ça à propos de Jésus, tu as donné à Jésus des qualités de Dieu, que Jésus lui-même n'a jamais accepté de se donner. Quand on a demandé à Jésus, par exemple, « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Il a dit « Ne m'appelle pas bon, seul Dieu est bon. Hein? » Quand un homme est venu lui demander « Quand viendra l'heure ?» Ce sera quand l'heure du jugement dernier. Jésus a répondu, il a dit « Nul ne sait l'heure, hein? Ni les anges, ni le Fils, hein? Seul Dieu connaît l'heure. » Et donc, quand ça c'est écrit dans l'Évangile, les chrétiens même jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui prétendent qu'il y a trois dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois-là forment un seul, alors c'est une contradiction de leur part, puisque comment le Père peut savoir quelque chose et le Fils l'ignorer en même temps alors que les trois sont la même personne. C'est quelque chose d'incompréhensible et c'est quelque chose d'absurde en réalité et de contradictoire. C'est pour ça que, en réalité, Jésus est un homme, un être humain envoyé par Dieu pour le peuple d'Israël et il était un prophète respecté et un des rapprochés de Dieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Sauf qu'il est juste un être humain. Il n'est pas Dieu ou il n'est pas un fils de Dieu. Ok? Même si les gens l'appellent fils de Dieu maintenant. Mais quand tu demandes à quelqu'un, n'importe qui, même à un prêtre ou à un pasteur, n'importe qui, est-ce que Dieu a une femme? Il va dire non. Alors, dis-lui, comment il a eu son fils? Est-ce qu'il a eu son fils par des rapports charnels avec une créature? Est-ce qu'il y a eu un échange de chromosomes? Est-ce qu'il y a eu un échange de génétique, hein, entre un spermatozoïde et une ovule, et qu'il y a eu un mélange de ces deux spermatozoïdes divins avec une ovule humaine pour que ça crée un être humain moitié divin, moitié humain? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est produit? Bien entendu, aucun chrétien ne va dire une chose pareille. Parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose, que ça marche pas comme ça. Dieu n'est pas un animal, ni un être humain. Au contraire, Dieu, tout ce qui existe, il le crée. Il le crée par sa volonté, et par son ordre, et son commandement. Il n'a qu'à dire, soit et fait. Hein? Donc, Dieu, il a créé Jésus, de la même façon qu'il a créé Adam. Adam n'avait pas de père, ni mère. Est-ce qu'on va dire qu'il était un fils de Dieu, à cause de ça? Est-ce qu'on va dire qu'il était divin, parce que c'est Dieu qui l'a créé directement sans intermédiaire, hein? Et on pourrait dire par exemple que qu'est-ce qui est plus grand comme miracle, le fait de créer un être humain à partir de la terre et de souffler en lui une âme, ou bien de créer un être humain à partir d'une femme et de le faire sortir de son ventre? Ça, c'est la façon dont chacun d'entre nous, on est né. On sort du ventre d'une femme. Mais de sortir de morceaux de terre que Dieu a modelé, puis qu'il a mis son âme dedans et qu'il l'a fait vivre, ça, c'est plus grand comme miracle. Hein? N'importe quel d'entre vous, prenez un peu de terre, faites-le en forme humaine, essayez de le faire vivre. Essayez de mettre une âme dedans, vous n'êtes pas capable. Tandis que tout le monde est capable de faire un enfant avec une femme. Et ça, c'est, malgré tout, pour Dieu, Dieu l'a créé, Jésus, sans l'intervention, hein, d'un homme. Il l'a créé seulement par l'intermédiaire d'une femme seulement. Parce qu'il est capable de faire ça, et c'est facile pour lui. Et la raison pour laquelle Dieu a fait ça avec Isa, avec Jésus, paix et salut sur lui, c'est parce que il voulait éprouver les hommes, et les tester, et voir est-ce qu'ils allaient transgresser la limite de Dieu à propos de Jésus ou non. Parce qu'il y a des hommes qui ont une foi ferme en Dieu et qui savent que peu importe qu'est-ce qu'un être humain peut faire comme miracle ou comme prodige, il reste toujours un être humain et on ne va pas tomber dans l'exagération à son sujet et commencer à l'adorer en dehors de Dieu. Mais il y a d'autres êtres humains qui n'ont pas compris réellement qu'est-ce que ça signifie de croire en Dieu et lorsqu'ils voient quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui est surnaturel, automatiquement, ils tombent dans l'exagération et dans l'idolâtrie. Et ils se mettent à adorer
cet être-là au lieu d'adorer Dieu. Hein? Et il déifie des êtres humains ou des animaux ou des choses. Hein? En Inde, dernièrement, il y a une femme, un enfant qui est né. Elle avait 4 bras, 4 jambes. Ils l'ont pris comme une déesse. Ils ont commencé à l'adorer. Parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait quelque chose de vrai. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Parce qu'ils ont trouvé d'elle qu'elle avait quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment surnaturel. Hein? Et déjà, les hindous, ils ont une statue d'un dieu qui a plusieurs bras, plusieurs jambes. Donc, pour eux, c'était une manifestation de cette divinité-là. Hein? Et le fait que Dieu l'a créé avec 4 bras, 4 jambes, Dieu, il est capable de faire s'il veut même plus que ça. Mais c'était juste un signe pour les éprouver, pour les tester. Et malheureusement, ces gens-là ont échoué le test. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que peu importe comment un être humain peut être extraordinaire ou avoir des pouvoirs surnaturels, ils ne sont jamais du fait d'être un être humain. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il reste toujours un homme, un être humain, hein, peu importe. Hein, et il ne mérite pas l'adoration. D'accord? Et donc ça c'est un exemple par rapport à notre croyance en Dieu, mais par rapport à notre croyance au prophète. Par exemple, on croit en Jésus. Nous les musulmans, nous croyons en Jésus. Et pour nous, c'est un des grands messagers de Dieu, un des 5 plus grands messagers de Dieu. Hein? Okay, Noé, après c'est Abraham, après c'est Moïse, après c'est Jésus. Après, c'est le prophète Mohammed. Donc, pour nous, ça, c'est les 5 plus grands. Et Jésus, c'est un de ces 5-là. Donc, c'est un des plus importants parmi les prophètes. Et on croit en lui. Et on croit au miracle qu'il a fait. Et on croit en sa naissance miraculeuse également. Et on reconnaît tout ça. Toutefois, le fait qu'il ait fait des miracles, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Parce qu'il y a Moïse qui a fait des miracles aussi. Hein? Il a pris son bâton, il a frappé la mer et ça s'est ouvert en deux. Hein, il a fait tomber sur Dieu par son intermédiaire a fait tomber 10 signes pour Pharaon, hein, pour les ramener au droit chemin. Hein, le fleuve qui est devenu en sang, les grenouilles et beaucoup d'autres fléaux qui sont tombés sur l'Égypte. Hein, et ça c'est un exemple. Et il y a aussi le rocher quand il a fait frapper le rocher puis il y a 12 sources qui sont sorties du rocher pour abreuver tout le monde. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Il y a d'autres prophètes aussi qui ont fait d'autres miracles. Chaque prophète a eu ses miracles. Mais ces miracles-là, ils les font par la permission de Dieu. C'est pas eux-mêmes qui décident de le faire quand ils veulent. Et la même chose pour Jésus. Hein? Aussi, ils disent par exemple le fait qu'il est né sans père. On a expliqué tout à l'heure que le fait qu'il soit né sans père, ça ne prouve pas qu'il est Dieu ou fils de Dieu également. Hein? Parce que quand même, il reste un être humain qui mange, qui boit, qui dort, qui va aux toilettes, hein, comme tout le monde. Hein? Donc quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques humaines. Et quiconque a ces caractéristiques humaines ne mérite pas d'être adoré, ne mérite pas d'être appelé Dieu. Hein? Et Dieu n'a pas d'enfant, ni de garçon, ni de fille. Hein? Tout est créé par Dieu. Hein? On est des créatures seulement. C'est sûr que même si on est des créatures, il aime certaines créatures plus que d'autres, parce qu'elles sont plus proches, parce qu'elles sont plus obéissantes, parce qu'elles sont plus pieuses, parce qu'elles adorent plus Dieu, ainsi de suite. Mais ça reste une créature quand même. Ça reste des créatures. Exactement. Il a créé Ève à partir d'un homme, à partir d'une côte. Il a formé une femme avec. Donc ça c'est un exemple. Et aussi, quand on dit, donc ça c'est le fait de donner à un être humain des caractéristiques divines, c'est une forme d'idolâtrie. Ça fait tomber les hommes dans l'idolâtrie. Ou bien le fait de donner à... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ou bien le fait de donner à Dieu des caractéristiques divines, humaines, des caractéristiques humaines. Ça aussi, c'est une forme d'idolâtrie. Hein? Comme par exemple ceux qui vont décrire Dieu en disant que, par exemple, on trouve dans la Bible, les Juifs ont décrit Dieu en disant que il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. Et ça, c'est d'attribuer à Dieu
le repos. Et ça implique qu'il était fatigué ou qu'il était faible ou qu'il n'avait pas la toute puissance. Et ça, c'est interdit d'affirmer une chose pareille à Dieu. C'est pour ça qu'on trouve dans le Coran que Dieu il a créé les cieux et la terre en six jours hein, et il n'a senti aucune fatigue. Donc ça veut dire que Dieu, lui, il ne dort pas, il ne se fatigue pas, il n'a jamais faim, il n'a pas besoin de rien, il se suffit à lui-même, hein, tout a besoin de lui, rien ne peut exister sans lui, hein, c'est lui donc le Tout-Puissant et l'Absolu, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas le droit de donner à Dieu des caractéristiques des êtres humains ou des animaux, et on n'a pas le droit de donner aux créatures des attributs et des caractéristiques divines. Parce que si tu mélanges les deux, tu mélanges entre le créateur et la créature, et automatiquement, ça va faire tomber les gens dans l'idolâtrie. Et c'est ça ce qui s'est produit dans le christianisme, ça qui s'est produit dans le judaïsme, c'est ça ce qui s'est produit dans l'hindouisme, le bouddhisme et les autres croyances qui existent parmi les êtres humains. Et puis, bon, dans les croyances comme aussi chez les animistes, hein, un peu comme les vaudous en Haïti et les autres, c'est la même chose. Hein, ils ont pris, au lieu, comme je lisais un livre sur le vaudouisme il n'y a pas longtemps, qui expliquait le vaudouisme, il voulait essayer d'expliquer le vaudouisme, donc il disait par exemple, le vaudouisme c'est une religion comme le christianisme, comme les autres religions, il y a des anges, il y a des êtres qui existent, qui sont invisibles, ainsi de suite, et ils les prennent comme des intermédiaires entre Dieu et, entre eux-mêmes et Dieu, pour communiquer avec Dieu. Et, nous, dans l'islam, on sait que il y a les anges qui existent, il y a des mondes invisibles qui existent, c'est vrai, il y a les anges, et il y a un autre monde invisible qui existe aussi, qui ne sont pas des anges, qu'on appelle des djinns. Et ce que ces gens-là adorent en réalité, les vaudouisants, ils n'adorent pas les anges, ils adorent les djinns. Hein, parce que les djinns sont différents des êtres humains. C'est des esprits invisibles, des êtres invisibles. Ils sont différents des anges, sont différents des êtres humains. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais parce qu'ils ont une liberté de choix et de conscience aussi, comme les hommes. Et ils vont être jugés comme les hommes eux aussi. Hein? Donc, mais certains parmi eux sont bons, d'autres sont mauvais. Et ceux qui sont mauvais, c'est ceux qu'on appelle les diables. Hein? Et ceux qui sont bons, il y en a parmi eux qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans, comme les êtres humains normaux. Puis, il y en a parmi les hommes qui rentrent en contact avec certains de ces êtres-là. Et il leur demande des services en échange de l'adoration ou des formes de sacrilège ou des formes d'idolâtrie que ces hommes-là vont pratiquer pour se rapprocher à eux pour avoir des services en échange. Parce que les djinns ont des capacités de faire des choses que les êtres humains n'ont pas la capacité de faire, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils ont la capacité même de voler, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent même changer d'apparence, changer de forme, donc ils ont une force beaucoup plus grande que la force des êtres humains, donc ils sont capables de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, et certains hommes entrent en contact avec eux pour essayer de contrôler les êtres humains, de les égarer. Mais ils ne peuvent pas rentrer en contact avec eux sans faire des actes d'idolâtrie et de sacrilège. Donc, c'est pour ça que dans l'islam, on n'a pas le droit d'entrer en contact avec les djinns, et que c'est une forme d'idolâtrie, parce que c'est une condition pour rentrer en contact avec eux, de leur offrir de l'adoration ou quelque chose en échange. Et ça, c'est pourquoi nous, on considère toutes ces choses-là comme la magie, l'astrologie, la voyance, toutes ces choses-là, comme des formes d'idolâtrie, la sorcellerie et tout ça. C'est des choses qui existent, elles sont vraies, sauf qu'elles sont toutes interdites. D'accord? Et Dieu les a interdites clairement. Même si certains parmi les hommes l'utilisent ou ils le pratiquent, hein, même si c'est pas pour faire de mauvaises choses, certains vont dire, ouais, il y en a qui le font, le bouddhisme pour le bien, il y en a qui le font pour le mal. Même si tu l'utilises pour le bien, du moment que tu offres à autre que Dieu une forme d'adoration, tu deviens un idolâtre, tu sors de la foi. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Donc ça c'est, disons, un des principes et un des aspects de
fondamentale du message de l'islam qu'on vous a expliqué aujourd'hui. On n'est pas rentré encore dans les détails de la pratique religieuse, puis les différents aspects, mais quand même on a fait le tour des principes de base de la foi, en ce qui concerne la foi en Dieu, des choses comme ça. J'ai pas expliqué les six piliers de la foi encore. C'est-à-dire, les six piliers de la foi, c'est quoi? C'est, le premier, c'est la foi en Dieu. On en a parlé. Après, c'est la foi en les anges. Il faut croire que les anges existent. On a parlé des djinns, mais ça, ça rentre dans les six piliers. Après les anges, il y a les prophètes. Il faut croire aux prophètes. Ensuite, il faut croire aux livres sacrés que Dieu a révélés. La Torah, l'Évangile et le Coran. Ensuite, il faut croire en le jour dernier, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, le jugement dernier, toutes ces choses-là. On va tous être ressuscités, puis tous être jugés. Et ensuite, il y a le dernier pilier de la foi, qui est la foi en la prédestination, que Dieu a tout écrit. Il a su tout ce qui va se produire à l'avenir, il a tout écrit, et tout ce qui se produit dans l'univers, c'est selon sa volonté, et il a tout créé, d'accord? Donc ça, c'est les six piliers de la foi. Puis il y a peut-être un autre point qui est important de comprendre, c'est par rapport à l'islam, c'est que nous les musulmans, donc qu'est-ce qui nous distingue aussi des messages des autres prophètes qui sont venus avant, c'est qu'on croit au dernier des prophètes, qui est le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et en le Coran aussi. Et pour vous expliquer un petit peu qui était le prophète, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un des descendants d'Abraham par son fils Ismaël, okay, qui vivait dans la région de l'Arabie. Et il y a de cela 1429 ans environ, il est né, il est devenu prophète à 40 ans, donc il est né dans les années 1400 quelque chose, ou 1300 quelque chose, vers la fin de 1300. Et il a commencé, premièrement, au début, bien entendu, c'est à 40 ans qu'il est devenu prophète. Mais il est né parmi les Arabes, une des tribus des Arabes, qui était la tribu la plus noble, la tribu de Quraysh, qui vivait à la Mecque. Et la Mecque, je ne sais pas si on n'a pas de photo ici malheureusement, mais il y a, à la Mecque, c'est une des terres saintes, un des lieux saints de l'islam. On appelle ça Makkah en arabe. Il y a à cet endroit-là, si vous voyez dans la mosquée là-bas, au centre de la mosquée, il y a une maison en forme de comme de cube, hein, entourée d'un drap noir. Cette maison-là, c'était la première mosquée, le premier lieu d'adoration qui avait été construit sur la terre, et il est construit par Abraham et son fils Ismaël. Et donc, c'est à cet endroit-là que cette maison-là, elle est construite, d'accord? Et c'est un des lieux saints avec la mosquée de la Palestine, à Jérusalem. Donc à Jérusalem, c'est un autre lieu saint, et la Mecque, c'est un autre lieu saint. Donc il est né là-bas. À l'époque d'Abraham, cette mosquée a été construite pour l'adoration du Dieu unique. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait rien, c'était Dieu seul qu'on adorait là-bas. Mais avec le temps, le message d'Abraham a été oublié, comme c'est le cas souvent pour d'autres choses qui se produisent, par exemple chez d'autres peuples, dans d'autres régions, quand le message des prophètes est venu, avec le temps, des fois il y a des gens qui changent le message, comme les gens ont changé le message de Jésus, de sorte qu'aujourd'hui la religion chrétienne que les gens pratiquent, c'est pas la religion que Jésus a enseignée à son époque. Le message de Jésus a été transformé avec le temps. Bon. Alors, la même chose est arrivée avec la religion d'Abraham. La religion d'Abraham était le pur monothéisme, et il a été transformé avec le temps. Et là, il y a des Arabes qui ont introduit dans la religion d'Abraham l'adoration des idoles. Donc, il y avait 360 idoles autour de la maison que Abraham a construite à un certain moment donné. Et le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, il est né dans cette région-là, à cette époque-là, et après, Dieu lui a révélé la révélation. Et il lui a ordonné d'ordonner aux hommes d'adorer Dieu seul et d'abandonner l'idolâtrie. D'abandonner l'adoration des idoles et des statues et des choses comme ça.
Donc, au tout début, il a commencé à expliquer ça à son peuple et les Arabes n'ont rien voulu savoir de lui. Ils l'ont persécuté, ils l'ont chassé. Et ceux qui ont cru en lui au tout début, c'était des esclaves, des gens simples de la société qui ont commencé à le suivre. Mais au début, ils n'avaient aucune autorité, aucun pouvoir, aucune force pour, soi-disant, se protéger ou protéger les gens qui ont cru en son message. Donc, ils se faisaient persécuter, ils se faisaient souvent maltraiter. Et ils cherchaient quelqu'un qui allait le défendre pour continuer la propagation de son message, l'islam. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que avec la persécution, ils sont partis, certains des compagnons sont partis en Éthiopie pendant quelque temps pour que la pression soit moins forte, parce que là-bas il y avait un roi qui était plus pacifiste ou plus ouvert. Ils sont restés là-bas un certain temps, puis à un certain moment donné, la pression était tellement dure sur le prophète à la Mecque qu'ils ont même essayé de le tuer. Ils ont même voulu le tuer. Alors, là, Dieu a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de quitter la Mecque et d'aller à une autre ville, qui est la ville de Médine. Et à cette ville-là, il y a des gens qui ont commencé à accepter le message de l'islam et qui ont vraiment commencé à donner un support au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le message de l'islam et les musulmans ont commencé à être de plus en plus forts. Et là, il est arrivé beaucoup de choses par la suite. Des gens ont commencé à rentrer dans l'islam de plus en plus. Et jusqu'à ce que, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est retourné à la Mecque avec une armée. Et il est rentré à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit toutes les idoles qui étaient autour de la Kaaba. Il les a détruites toutes, une par une, avec un bâton. Et il récitait les paroles que Dieu lui a révélées en faisant ça. La vérité est venue, le faux s'en est allé. Certes, ce qui s'en va, c'est le faux. Hein. Donc il a détruit toutes ces 360 idoles qui étaient autour. Hein. Et donc, ça c'est pour dire que le message du messager, c'était fondamentalement d'expliquer aux êtres humains qu'ils ont été créés pour adorer Dieu et que tout ce qui est adoré en dehors de Dieu par les êtres humains, c'est quelque chose qui est faux et c'est de l'idolâtrie, et donc il ne faut pas l'adorer, il faut s'écarter de l'idolâtrie et des messages des hommes qui appellent à l'idolâtrie ou à adorer d'autres que Dieu. Donc, qu'est-ce que je vous ai expliqué là? C'est un petit résumé, hein, parce que en fait, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a duré 13 ans à la Mecque, après qu'il soit devenu prophète, et 10 ans à Médine. Hein? Donc ça s'est passé sur une période de 23 ans, et le Coran a été révélé pendant ces 23 années-là. Hein? Et Dieu faisait descendre des révélations sur le prophète à chaque occasion pour lui expliquer, pour lui dire comment agir dans différentes situations. Dans différentes circonstances, et à la fin de sa vie, le Coran a été complété et les compagnons l'ont mémorisé et ils ont également mis ça par écrit, et c'est le Coran qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a une copie ici, je vais vous montrer après peut-être. Donc c'est pour vous faire comprendre que ça c'est le dernier prophète qui est venu à l'humanité, et tout le monde, tous les hommes ont le devoir de croire en lui et d'accepter sa prophétie. Mais une chose qui est très importante, c'est que pour nous les musulmans, on n'a pas le droit de faire la même chose que les chrétiens font avec, qu'est-ce que les chrétiens ont fait avec Jésus. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed, c'est la paix de Dieu sans son lui, et on n'a pas le droit non plus de lui offrir un culte ou de le vénérer ou de faire son image ou de le prier à lui ou des choses comme ça. Si quelqu'un qui se dit musulman prie au prophète ou à n'importe qui d'autre, il sera automatiquement en dehors de la religion. Il sera considéré comme un idolâtre. Il a quitté la foi s'il fait ça. Parce que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Non. Ça c'est un verset dans le Coran Dieu s'adresse à Jésus en fait. Si.
Oui, dans l'avenir. C'est pour montrer qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier, en fait. Rappelle-le le moment où Allah dira, « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah ?» Il dira, « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. S'il l'avait dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme, et il a le pouvoir sur toute chose. Donc ça c'est pour rappeler au 116 dans surat al-Ma'ida jusqu'à 120, 116 à 120. Donc c'est pour dire que Jésus se désavoue des hommes qui l'ont adoré, lui et sa mère. Hein. Et il a dit, moi j'ai jamais dit aux hommes de m'adorer moi, ou d'adorer ma mère. Hein? Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Il dit à Dieu, si je l'aurais dit, tu l'aurais su, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc c'est pour faire comprendre que Jésus lui-même, il n'a jamais prétendu être Dieu, ou n'a jamais dit aux hommes, adorez-moi. Hein? Et même dans la Bible, il y a plein de versets qui montrent que Jésus c'est une créature de Dieu. Hein? Et que c'est un prophète envoyé de Dieu. Regardez quand, par exemple, Jésus dit qu'il était dans le désert. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit que Jésus était dans le désert, le diable est venu le tenter. Est-ce que le diable vient voir Dieu, puis il veut le tenter? Tenter Dieu, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre? Bien sûr qu'il ne peut pas faire ça. Parce que Dieu est tout puissant, c'est lui qui a créé le diable. Et Dieu est capable de détruire le diable s'il veut. Oui, souvent il dit ça. Mais regarde comme il faut ce verset, ce passage-là. Le diable vient voir Jésus et il dit, regarde cette ville, si tu te prosternes à moi, je vais te donner tout ça. À qui appartient la terre et les cieux? À Dieu. Comment le diable dit à Jésus, je vais te donner ça? Si c'était Jésus qui était Dieu, il aurait dit, mais ça ne me sert à rien de me prosterner devant toi, cette ville, elle m'appartient déjà, puisque c'est moi qui ai Dieu. Hein? Il n'allait pas accepter de dire que Dieu lui dise, maintenant je vais te donner cette ville, hein. Et non seulement ça, Jésus lui répond par la suite, non, je ne me prosterne pas à personne d'autre que Dieu. Dieu a dit, tu ne te prosterneras devant personne autre que moi. Donc déjà, ça prouve que Jésus lui-même, il dit, non, l'adoration c'est à Dieu seul. Et la prosternation c'est pour Dieu seul. Ça prouve qu'il n'est pas Dieu lui-même, il est une créature de Dieu, qu'il est un prophète de Dieu. Hein? Et la fin que tu dis, non ça c'est son côté homme, ça c'est la balançoire là qu'ils utilisent pour essayer de jouer. Quand tu les prends d'un côté, ils disent non il était, oui. Quand tu les prends d'un bas, ils disent non il était, quand il a dit ça il était homme. Puis quand il voit une autre parole, il dit ah ça c'est parce qu'il disait ça quand il était Dieu, là il était homme. Mais est-ce qu'il était, s'il était vraiment Dieu et qu'il était tout le temps, il devait être tout le temps Dieu, pas Dieu des fois puis des fois pas Dieu, hein, sinon ça fait pas de sens. Donc l'idée que Dieu rentre dans un homme, ou dans une mouche, ou dans une vache, ou dans un singe, ou dans un chien, ou des choses comme ça, nous on rejette ça complètement. Dieu il se mélange pas avec une créature. Dieu c'est Dieu, la créature c'est la créature. Le créateur c'est le créateur, la créature c'est la créature. Et les deux sont séparés, ils se mélangent pas, les uns rentrent pas dans l'autre, hein, et un devient pas l'autre. La mouche ne devient pas Dieu, Dieu ne devient pas la mouche, hein, ainsi de suite. Hein? Parce qu'on est tous des créatures, on est tous des êtres créés par Dieu. Hein? Et ça c'est juste un exemple, il y a plein d'autres exemples. Juste un instant, ok Jamal. Moïse, il adorait qui? Il adorait Jésus? Non. Abraham, il adorait qui? Il adorait Jésus? Non.
Noé l'adorait, qui l'adorait Jésus? Non. Salomon, David, Jacob, Isaac et tous les autres, est-ce qu'ils ont déjà prié à Jésus dans leur vie? Est-ce qu'ils nous ont déjà dit à quelqu'un, ton Dieu c'est Jésus? Jésus disait lui-même, le Dieu mon Dieu est le Dieu de mes pères, Abraham et Jacob et Moïse, Isaac et tout. Donc ça veut dire, le Dieu de Jésus, c'est le même Dieu que le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que le Dieu d'Isaac et de Jacob, et de tous les prophètes, et c'est le même Dieu que le Dieu de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et que la paix, le salut de Dieu soit sur tous les prophètes. Il n'y a pas deux dieux, ou il n'y a pas un Dieu pour chaque prophète, il y a un seul Dieu pour tous les prophètes, et c'est un seul messager qui a été envoyé pour toute l'humanité à la fin. Mais ça ne change rien. Le testament que Dieu a pris avec Abraham, l'alliance qu'il a pris avec Abraham, qu'il a pris avec Moïse, avec les autres prophètes, c'est la même alliance, elle ne sera jamais brisée, cette alliance-là. Elle ne peut pas se briser. C'était de faire un sacrifice. Mais ça ne fait pas de sens. Déjà, premièrement, Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, de dire que Dieu s'est fait tuer et que Dieu est mort, déjà ça c'est une contradiction. Oui, mais le Fils, c'est Dieu, hein? Le Fils, c'est Dieu, donc s'il est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Oui, mais les trois sont un, tu vois? Donc, tu comprends? Exactement, les trois sont un. Et non seulement les trois sont un, mais ils disent que les trois sont égaux et éternels. C'est-à-dire, le Père n'est pas venu avant le Fils, et le Fils n'est pas venu avant le Père. Les trois ont toujours existé éternellement. Donc, en principe, nous on dit que lorsqu'un homme, il a un fils, c'est sûr qu'il est venu avant son fils. Hein? Mais là, eux, ils disent non, ça c'est un fils éternel et un Père éternel. Et un esprit, soi-disant, éternel. Pour nous, l'Esprit Saint, c'est l'ange Gabriel. Hein? C'est parce que Dieu envoie souvent on voit dans la Bible, c'est écrit, et Dieu envoya son esprit. S'il envoie, est-ce qu'il s'envoie lui-même? Hein? Comment il envoie quelque chose, puis c'est lui? Non, on voit clairement que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui l'envoie. Donc, l'Esprit Saint, c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup de choses. C'est parce que quand on est chrétien, écoutez, moi-même, on était tous chrétiens presque ici, sauf quelques-uns d'entre nous. On a tous grandi dans le christianisme. Puis, c'est sûr qu'on a eu l'éducation chrétienne. On entend parler de Jésus depuis qu'on est tout petit, et on nous dit Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Tant qu'on n'a pas entendu quelqu'un dire le contraire, on est comme obligé de croire en ça, parce qu'on ne va pas jamais se remettre en question ou poser des questions sur les textes ou l'authenticité des textes et les autres choses de ce genre. Donc, on ne va pas se poser la question de façon aussi rationnelle. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que si on n'est pas chrétien, en dehors du christianisme, il n'y a pas de salut. Et que tu es obligé, pour être croyant, d'être chrétien, sinon tu es athée ou tu es en dehors de la foi. Alors que non, ce n'est pas vrai. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment réfléchir sur ces choses-là. Si tu avais une question. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est ça ce que nous sommes, comme Jésus en fait. Et comme on voit que, par exemple, dans la Bible, comme tout à l'heure c'est écrit, comme c'est écrit dans Jean, dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, hein, en sacrifice, ainsi de suite. Ça, c'est dans Jean. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres prophètes qui sont appelés fils uniques de Dieu également. Donc, selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a plusieurs fils uniques. Hein? Je pense que David a été appelé fils unique également, et Salomon était appelé fils unique. Et même mon premier-né, certains sont appelés my firstborn en anglais, mon premier-né. Donc, ça, c'est des termes qui sont utilisés dans la Bible. Et c'est pour ça que nous, dans l'islam, Allah, il nous a révélé le Coran, et le Coran, il a été protégé et purifié de tous ces genres d'amalgames dans les termes. Hein? Parce que les rabbins et les juifs, ils ont utilisé le terme « fils de Dieu » pour parler de certains êtres humains, de certains prophètes, hein? Et ils ont attribué à Dieu des fils, et les chrétiens ont appelé Dieu le Père,
pour éliminer tout amalgame et tout mélange, parce qu'on sait que chez les Grecs, chez les Hindous, Dieu a des femmes, Dieu a des fils, Dieu a des filles, Dieu se reproduit avec des femmes et des choses de ce genre, ainsi de suite. Ça, ça n'existe pas dans le Coran et dans les paroles du prophète. On n'a pas le droit d'appeler Dieu Père, et Dieu n'a pas de fils parmi les hommes. Il a créé les hommes. C'est vrai que certaines créatures, Dieu les aime plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Pourquoi on parle plus de Mohammed que de Jésus? Ok. La raison pourquoi on parle plus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que de Jésus, c'est parce que il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que premièrement, Jésus, comme le Coran nous le dit, il a été envoyé au fils d'Israël. Ça c'est de un. Et même dans la Bible, c'est écrit. On ne m'a envoyé que pour la maison de la brebis perdue d'Israël. Et aussi, quand des gens venaient, même de d'autres peuples qui venaient voir Jésus, il a dit, moi, on m'a envoyé seulement pour la brebis perdue d'Israël. Il y a une femme samaritaine, une fois, qui est venue, et voulait demander à Jésus quelque chose, il a refusé de l'aider. Puis par la suite, elle a supplié, et elle l'a touché finalement. C'est comme si pour dire, à la fin, elle a dit, même les chiens, ils ramassent les miettes que le maître jette en bas de la table en voulant dire, on mérite même, on va prendre même les petites miettes que vous laissez, même si t'es pas venu pour nous, mais quand même, on peut quand même profiter un peu de toi. Dans ce sens-là, c'était pour dire que il s'imaginait que il n'était pas, sa diligence s'imaginait qu'il voulait l'aide de Jésus, et Jésus leur disait non, moi je ne suis pas venu pour vous, je suis venu seulement pour les gens de la maison d'Israël. Parce que chaque prophète était envoyé pour leur peuple à eux, avant. Chaque prophète avait sa mission, et ils étaient envoyés uniquement pour un seul peuple, et non pas pour toute l'humanité. Et Jésus, il n'était pas venu pour toute l'humanité, il est venu pour un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. En passant, Jésus n'est pas mort, il est monté aux cieux, et il va revenir vers la fin des temps, compléter sa vie. Ça c'est la croyance des musulmans, on croit en ça. On croit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, il a été élevé aux cieux, et qu'il va revenir vers la fin des temps pour terminer sa vie et mourir, comme tous les autres hommes. Il va être enterré, et il va être ressuscité avec tous les hommes à la fin des temps, comme les autres êtres humains. Donc ça c'est notre croyance en ce qui concerne Jésus. Puis, il aura une mission à faire dans le sens qu'il va diriger les musulmans dans la bataille, et il va prier avec les musulmans, et il va tuer l'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist. En arabe, on l'appelle le Dajjal. Il va venir, il va le tuer, ainsi de suite. Et pourquoi nous on prend plus d'importance, ou on donne plus d'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que à Jésus? C'est que Jésus, comme j'ai dit, il est venu à son peuple, pour son peuple, à lui. Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour toute l'humanité en entier. Et c'est le dernier prophète. Et son message est universel. Et il se limitait pas juste à une nation ou à une époque seulement. Il est venu pour tous les peuples. Et jusqu'à la fin des temps. Son message est là jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde sa mission et son message et son exemple qu'il a laissé, c'est un message qui nous clarifie tous les aspects de la vie. Dans le sens que quand on regarde par exemple dans le Coran, on va trouver dans le Coran les règles qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la vie en entier. Même dans les rapports même les plus intimes, entre un homme et sa femme, ou bien les rapports entre les familles, ou les rapports sur le plan social de la société, ou bien les choses qui ont rapport avec l'économie, ou les choses qui ont rapport avec les lois et le système juridique, et même les choses politiques, tout ça s'est clarifié et détaillé en détail dans le Coran. Même l'héritage, par exemple, les choses qui ont rapport avec le mariage et tout ça, le divorce, toutes ces règles-là sont détaillées et clarifiées. Mais tandis que si tu regardes par exemple juste dans l'évangile et dans l'exemple de Jésus, tu ne trouves pas les détails de chacune de ces explications détaillées là. Et étant donné que les chrétiens ne croient pas non plus ou ne pratiquent pas vraiment en qu'est-ce qui est dans l'Ancien Testament, ils sont laissés sans, c'est les hommes qui font leur propre loi,
Et ils gardent la religion uniquement pour une question spirituelle, comme pour la prière ou pour les choses de prière, de spirituelle à l'église. Mais en dehors de l'église, c'est comme si la société et la vie est basée sur des lois faites par l'homme et fabriquées par l'homme. C'est pour ça que vous voyez par exemple que dans la Bible c'est écrit « tu ne feras pas l'adultère », mais quand tu sors dehors, tu regardes la loi canadienne, la loi haïtienne, les autres lois, ils disent « deux adultes consentants ont le droit de faire la fornication, ils n'ont aucune punition, aucune peine ». Donc il y a, à cause de ça, il y a une contradiction entre la loi des hommes et les lois divines. Tandis que dans l'islam, les deux sont la même chose. Les lois religieuses sont les lois civiles. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Hein? C'est pour ça que les musulmans, on vit selon les lois de Dieu, hein? Même dans la société. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire, je crois en Dieu, mais je peux faire l'adultère parce que la loi permet l'adultère. Mais non, Dieu a interdit, et c'est les lois de Dieu qui doivent être appliquées dans la société, pas les lois des hommes. Parce que les lois des hommes veulent toujours tenter de rendre permis ce que Dieu a interdit. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le christianisme, parce qu'il n'y a pas de loi civile, tandis que dans le Coran, il y a toutes les lois de la vie, tous les aspects de la vie. Hein? Dans tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Dans le christianisme, par exemple, le divorce est interdit chez les catholiques. Mais quand quelqu'un veut se divorcer, il doit aller à la cour pour avoir un contrat de divorce. Hein? Alors que dans l'islam, il y a les règles détaillées sur le mariage et le divorce. Et tout est clarifié. Il n'y a pas de séparation entre le civil et le religieux. Hein? Donc c'est pour dire que la religion le dernier message que Dieu a amené à l'humanité, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est complet. Et il est parfait. Contrairement, à ce que les hommes ont fait du message de Jésus après Jésus. Ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Il est pur, il n'est pas resté tel qu'il était. Jésus n'était pas venu pour amener une nouvelle religion aux Juifs, mais juste pour les ramener au judaïsme, ou bien, disons plutôt, au message de tous les prophètes, de Moïse et des autres prophètes. Il est venu pour les ramener à la pureté de la religion, mais eux, ils ont refusé de croire en lui. Souvent, les Juifs, c'était comme ça. Chaque fois qu'un prophète leur venait pour les ramener au droit chemin, eux, ils refusaient de le croire, ils refusaient de l'accepter, et ils essayaient de le tuer à chaque fois, comme ils ont fait pour Jésus. Ok. Donc, pour la première question, par rapport au fait que Jésus aurait dit à ses disciples à la fin de sa vie, allez de toutes les nations et propagez ma parole et la bonne nouvelle, ainsi de suite. Si on retourne au texte ou au manuscrit qui existe par rapport à l'évangile aujourd'hui, les commentateurs de l'évangile ont dit que ces passages-là, dans l'évangile de, si je ne me trompe pas, c'est l'évangile de Marc, et l'autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, ces passages-là dans l'évangile sont les passages qui ont été rajoutés. C'est des passages qui ont été rajoutés. Ils ne sont pas dans les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Ça, c'était juste un aspect ou une partie de la réponse. C'est pas ça ce que je te dis à propos des textes, des manuscrits du Nouveau Testament. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est les commentateurs de la Bible qui sont eux-mêmes des chrétiens qui disent ça. Ça, c'est de un. Deuxièmement, vous avez dit que Paul de Tarse, ouais, je l'ai pas amené avec moi. Je n'ai pas amené les vins. Hein, je l'ai à la maison moi aussi. Deuxièmement, Paul de Tarse n'était pas un disciple de Jésus. Il n'a jamais connu ni vu Jésus durant sa vie. D'accord? C'était un rabbin juif de nationalité romaine. Ok? Il avait la nationalité romaine en tout cas. Et il torturait les chrétiens. Les premiers, disons, il n'y avait pas encore le christianisme, puisque le mot chrétien n'existait pas encore à l'époque. La religion chrétienne, ça n'existait pas non plus. Les premiers qui ont cru en Jésus priaient aux mêmes endroits que les Juifs. Et Paul est venu après que Jésus ait été relevé aux cieux, et il a commencé à
se mélanger aux apôtres de Jésus. Il a dit, j'étais sur le chemin de Damas et j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et soi-disant, il est revenu à eux et il a dit, ça y est, j'ai cru en Jésus moi aussi. Les gens l'ont pris pour un disciple, mais il n'est pas un disciple. Il n'a jamais vu Jésus, ni entendu Jésus de sa vie, il n'a jamais rencontré Jésus non plus. Et étant donné qu'il a étudié le judaïsme avec un des plus grands rabbins de l'époque, il connaissait bien les enseignements de l'Ancien Testament aussi, et il connaissait aussi la philosophie grecque et autres, puisqu'il avait étudié aussi ces choses-là. Donc il s'est mélangé aux apôtres, et il leur parlait, il connaissait la religion, il a fait en fait sa propre religion. C'est le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, le vrai fondateur de cette religion-là, c'est pas Jésus, c'est plutôt Paul. C'est lui qui est le vrai fondateur du christianisme. Et les 14 lettres qu'il a écrites aux différentes églises qui est un petit peu partout, en fait, c'est elles qui composent, qui forment les bases de la religion chrétienne, qui sont une grosse partie de l'évangile que les chrétiens suivent aujourd'hui. C'est les lettres de Paul. Donc, lui, il a ramené, comme tu dis, le judaïsme aux autres qui n'étaient pas juifs, mais en le transformant et en adaptant le judaïsme à ces différents peuples païens-là qui adoraient des idoles et qui adoraient d'autres choses que Dieu, pour leur faire croire en ce message-là. Puis par la suite, le message du christianisme a été adapté par l'Empire romain avec Constantin, vous savez l'histoire, avec le Concile de Nicée. Puis on a voté pour la Trinité, on a voté pour les quatre évangiles, parce qu'il y avait plus que quatre à l'origine, mais on en a pris ces quatre-là, puis on les a choisis, on les a mis dans le couvercle avec les autres, et on a dit ceux-là sont inspirés, les autres c'est des apocryphes, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu les autres chiites qui sont apparus, le protestantisme plus tard, avec Martin Luther, et tous ces autres trucs, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est pour dire que Jésus n'a jamais dit vraiment d'aller aux autres nations et d'enseigner aux autres nations, et c'est Paul lui-même qui a fait ça, et les passages qui mentionnent ça dans l'évangile sont des ajouts, clairement, d'accord? Ouais. Ah oui, la dernière question, la prédestination, oui, ok, ouais, d'accord. La question de la prédestination, c'est qu'on n'a pas le choix d'y croire si on est un croyant en Dieu. Si on... Attends, je vais vous expliquer. C'est que quand on dit qu'on croit en la prédestination, quand quelqu'un dit qu'il croit en Dieu mais qu'il ne croit pas en la prédestination, ça implique des contradictions dans sa foi. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, tout le monde est obligé de dire s'il croit en Dieu que Dieu sait tout. Donc tout le monde doit être d'accord de savoir que Dieu, il sait notre destination. Comment on va finir et où on va finir. Personne ne peut remettre ça en question. Deuxièmement, personne ne peut remettre en question aussi le fait qu'il n'y a rien qui peut aller contraire à la volonté de Dieu. D'accord? Et il n'y a personne qui peut remettre en question le fait que Dieu est tout puissant et qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe et qu'il n'y a pas rien dans l'univers qui peut aller contre sa puissance et contre sa volonté. À partir de ce moment-là, on est obligé de croire à la prédestinée. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est des choses importantes aussi que tu rajoutes. C'est vrai que Dieu, il est sage aussi. Il est juste et il est bon, comme tu dis. Donc, tout ça, et en plus, il est tout puissant, il est omniscient et il a une volonté qui est au-dessus de toutes les volontés. D'accord? Donc ça, c'est tout ça ensemble, ça nous aide à comprendre la question. D'accord. Qu'est-ce que je t'explique en fait? C'est une question parfois que les gens mélangent. C'est que tu as bien dit que qu'est-ce que tu n'acceptes pas, c'est que Dieu te dise voilà ta destinée. Mais Dieu ne te l'a pas dit. Dieu ne t'a jamais dit quelle sera ta destinée. Et il ne t'a pas dit est-ce que tu seras au paradis ou en enfer. Il t'a seulement dit une chose. Obéis-moi. Soumets-toi à moi. Suis mes messagers. Et suis la révélation. Et tu auras comme récompense le résultat que tu mérites. Et si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Alors, obéis-moi et écarte-toi de ce que je t'ai interdit.
Et à la fin, tu auras ce que tu mérites. Mais Dieu, il le sait déjà. Et il l'a déjà prédestiné. Et il l'a non seulement su, il l'a écrit. Et il a voulu. Non, puisque toi, tu sais pas, même en sortant d'ici, qu'est-ce qui va t'arriver. Donc, c'est pour te dire que, étant donné que tu sais pas ce qui va t'arriver demain, ou même dans 5 minutes, tu peux pas prétendre à l'injustice. Parce que la destinée est uniquement connue d'Allah, de Dieu seul. Et elle fait toi un secret, elle est invisible pour toi. Tu vois? Bien sûr, tu as une volonté toi aussi. Exactement, tu as la volonté et tu as une capacité de choisir aussi. Donc Dieu t'a donné ça. Exact. Non, pas du tout. Attends une minute. Il y a deux extrêmes au sujet de cette question. Il y a ceux qui ont dit, Dieu nous force. On n'a aucune liberté. Tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui nous force à le faire et on n'a aucune volonté de le faire et on est obligé de le faire puisque c'est Dieu qui nous force à le faire. Et donc ils disent, ces gens-là, que si moi je décide de lui donner un coup de poing ou si moi je viens de te frapper, tu peux pas me blâmer moi parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Hein? Et ça c'est faux et on peut lui prouver qu'il ment. Pourquoi? Parce que Dieu a interdit de faire du mal aux autres par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers. Donc celui qui voudrait essayer de se défendre pour qu'est-ce qu'il fait de mal en utilisant la prédestinée, on lui répond en disant non, tu peux pas te baser sur la prédestinée pour justifier le mal que tu fais aux autres puisque Dieu t'a interdit de faire le mal aux autres. La même chose, la personne qui fait le bien, il remercie Dieu de lui avoir permis de faire ce bien-là et il aura la récompense pour le bien qu'il a fait et celui qui a fait le mal aura la punition pour le mal qu'il a fait. C'est la même chose, mais il y a l'autre extrême aussi. L'autre extrême de ceux qui disent Dieu ne sait pas ce qu'on va faire avant qu'on le fasse et nous pouvons imposer à Dieu quelque chose ou faire quelque chose qui va en contradiction avec la puissance et la volonté de Dieu et que Dieu n'a aucune décision là-dedans. Ça c'est l'autre extrême parce que ceux-là, ils ont associé à Dieu d'autres divinités. Parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent créer en dehors de Dieu. Et qu'il y a d'autres choses qui peuvent agir de façon absolue dans l'univers en dehors de Dieu. Et c'est comme s'ils ont mis. Et limiter en même temps la connaissance infinie de Dieu. Et ça, c'est une autre forme d'égarement. Donc nous sommes entre ces deux extrêmes. Nous affirmons que Dieu, il a la connaissance infinie, il a toute puissance, hein, et la connaissance instituée, et la volonté absolue, et la sagesse, et la bonté. Mais en même temps, on affirme que l'homme, il a une volonté et une capacité. Toutefois, cette volonté et cette capacité-là, elle est toujours limitée par la volonté et la toute-puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que même si toi, tu as l'intention de faire quelque chose de bien, tu ne peux pas le faire excepté si Dieu l'a voulu. Et si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne peux pas le faire non plus, sauf si Dieu l'a voulu. Et tu ne feras à la fin que ce que Dieu a voulu. Exactement, c'est ce que tu as dit. C'est ça, c'est pas pareil. L'évangile, tel qu'elle a été transmise aujourd'hui, et les livres que les chrétiens suivent aujourd'hui comme religion, elles n'ont pas été transmises et préservées de façon authentique et de façon fiable. Déjà, on ignore qui les a écrits, et on ignore les manuscrits qu'on possède qui sont par exemple en grec, on ignore qui les a traduits. Donc, ça déjà, ça met un gros point d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. Parce que pour nous, avant même de connaître par exemple l'authenticité d'une des paroles attribuées au prophète, que la paix et salut de Dieu soient sur lui, le dernier prophète, il faut savoir qui l'a transmis et quel est son nom, et est-ce qu'il était vraiment une personne honnête et fiable à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Il n'y a pas de moyen dans le christianisme de vérifier l'authenticité des gens qui ont transmis la parole de Jésus. Ça c'est de un. Et c'est des témoignages de personnes qui parfois n'étaient même pas des témoins eux-mêmes. Comme Luc, quand il commence son évangile, il dit « Il m'a semblé bon, cher Théophile, hein, d'après ce que j'ai recueilli des témoins qui ont vu et entendu les choses qui sont arrivées,
de te faire un récit, et ainsi de suite. Donc, lui-même Luc, on ne sait même pas s'il s'appelle Luc, premièrement. Et Matthieu, on ne sait pas si c'est Matthieu qui l'a écrit, son évangile. Et Jean, on ne sait pas si c'est Jean qui l'a écrit. Et Marc, on ne sait pas si c'est Marc qui l'a écrit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a nulle part dans le texte où Marc a signé son nom. Il n'y a nulle part dans l'évangile, dans aucun des évangiles, où ces gens-là ont signé leur nom nulle part. Mais on a déduit que c'était peut-être eux. Il n'y a aucune preuve de ça. Et on voit que c'était des gens qui disent avoir pris des... Certains d'entre eux ont recueilli les témoignages de d'autres personnes. Donc, ça prouve qu'ils n'étaient pas des témoins eux-mêmes. Et certains chrétiens disent que c'était des apôtres qui étaient inspirés. Encore là, on voit qu'il n'y a pas d'inspiration parce que Luc lui-même, il dit, il m'a semblé bon. Ça veut dire qu'il le fait de sa propre décision. C'est lui-même qui choisit de le faire. C'est pas quelque chose qu'il ne dit pas comme Dieu m'a inspiré de vous dire ça, ainsi de suite, et autres. Non, c'est une parole qu'il dit de lui-même. Et il reste que les autres livres aussi, on ne peut pas vérifier non plus. Sauf, peut-être les lettres de Paul, bon, pour les lettres de Paul, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que les quatre évangiles, il y a des gros doutes sur leur authenticité. Et les autres livres, en dehors des 14 lettres de Paul, comme l'Apocalypse et les autres, on ne sait pas vraiment qui. C'est écrit que Jean, mais on ne sait pas si c'est le même Jean que le Jean des évangiles, ou si c'est un autre Jean. Donc, beaucoup de... Je ne sais pas vraiment, mais même l'Ancien Testament aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. On est tous supposés d'être des chercheurs de la vérité. On est tous supposés d'être des hommes qui... Bien sûr! Parce qu'elle existe cette vérité et il n'y a pas de doute qu'il y en a qui l'ont trouvée. Mais il y en a qui l'ont pas encore trouvée ou qui pensent l'avoir trouvée, qui ne l'ont pas trouvée réellement. Donc l'important c'est qu'on s'aide entre nous à trouver cette vérité-là. Hein? Voilà. Bon, je l'ai lu, oui. Oui, pour eux, c'est sûr qu'ils vont dire ça, puisqu'ils ne croient pas en une vérité, ils ne croient pas en une chose qui est absolue. Ils disent, étant donné que, bon, eux, ils ont leur Dieu, et ça, pour eux, c'est leur vérité, et eux, ils ont leur Dieu, et ça, pour eux, c'est leur vérité, et donc, on veut satisfaire tout le monde, chacun avec sa petite vérité de son côté, tandis que l'islam dit, il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les autres. Et c'est ça ce qui dérange, parce que, hein? Oui, mais il n'y a pas de problème. Votre nom c'est quoi? Omer. Bon, le problème, tout ce qu'on a dit depuis le début, l'important de comprendre, c'est qu'est-ce le but de notre présentation, puis de notre explication aujourd'hui, tout ça, c'était principalement de vous expliquer en fait les bases de notre religion, les principes de cette religion-là, qu'est-ce que ça signifie d'être un musulman, et en quoi, qu'est-ce que ça implique, et comment on comprend nous la foi en Dieu, selon l'islam. Donc, on a essayé de vous expliquer ça le mieux possible, et si vous prenez le temps d'y réfléchir, puis de comprendre, puis d'essayer d'apprendre encore un peu plus, parce que la vie est longue, Inch'Allah, si Dieu veut, vous aurez le temps d'y repenser encore. On n'a pas construit Rome un jour, hein. Donc on peut laisser à d'autres occasions aussi le temps pour en reparler, d'accord. Donc, mais c'était juste pour dire qu'à partir de là maintenant, vous avez, disons, une petite base que même beaucoup de musulmans ne connaissent même pas eux-mêmes sur l'islam. Hein. Vous savez aujourd'hui des choses sur la religion musulmane que beaucoup de musulmans ignorent eux-mêmes à propos de la religion musulmane. Donc, à partir de cette connaissance-là, maintenant, dans l'avenir, ça va vous aider peut-être à mieux analyser les choses par rapport aux musulmans, parce que dans les pays musulmans, vous avez des gens qui adorent les tombes, vous avez des gens qui adorent les morts, qui leur offrent des formes d'adoration et de culte,
hein, et il y a des sortes de pèlerinages qui sont faits dans certains pays musulmans pour des morts, pour des tombes, pour des saints, pour vous montrer que même parmi les musulmans, beaucoup de musulmans ont dévié du droit chemin de les, que les prophètes ont enseigné, et que nous-mêmes, en tant que musulmans, on est obligés de dénoncer ces genres de déviations-là et de déformations-là du message de l'islam, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ont pris entre eux et Dieu des intermédiaires dans l'adoration, parmi les gens qui se disent musulmans, et qui ont sorti justement de l'enseignement du pur monothéisme, qui est enseigné par tous les messagers de Dieu. C'est pour ça donc, là maintenant, à partir de ce que vous avez appris, de tout ce qu'on vous a expliqué, et des petites questions que vous avez posées, des réponses qu'on a essayé de donner, bon, j'espère que maintenant vous avez une meilleure compréhension, ça va vous aider par la suite, dans l'avenir, à comprendre encore mieux l'islam. Et quand vous allez parler avec vos amis, vous allez pouvoir peut-être même parfois les corriger sur certaines fausses notions qu'ils ont ou bien des préconceptions qu'ils ont qui sont incorrectes par rapport à l'islam. Et puis donc c'est ça, on va s'arrêter à ce point-ci, parce que nous on a notre cours hebdomadaire qu'on fait d'habitude chaque samedi et dimanche, et on va le commencer. Si vous voulez rester pour écouter, il n'y a pas de problème. C'est libre à vous, hein. Donc on va s'arrêter ici pour ce cours. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.